programme Futilité Tute, voilà, consiste à, je veux dire, à une association entre des entraînements en matinée donnés par des entraîneurs de la fédération avec un cursus scolaire voilà, tout à fait normal. Donc ils ont des statuts d'espoir sportif où là ben, on peut aménager des horaires scolaires et leur faire profiter de ces séances matinales qui sont allez, le plus souvent orientées vers la technique et la tactique. Les objectifs, voilà, c'est de faire progresser les jeunes le plus possible, hein. Je veux dire, peu importe le niveau qu'ils ont à la base. Et puis voilà, si on peut en voir arriver quelques-uns au sommet, tant mieux. Les choses qui sont mises en place, voilà, il y a les entraînements matinés, il y a des entraînements spécifiques. On travaille aussi avec certaines universités. La combinaison entre les études et le foot se passe relativement correctement. Voilà, il n'y a pas plus d'élèves qui ont des notes, je vais dire, négatives par rapport à un élève lambda. Voilà, on a aussi une cellule, je vais dire, plus pédagogique qui est en place et qui essaie d'avoir un suivi le mieux possible, bien sûr, en collaboration avec les écoles. Bon, le système existe depuis une vingtaine d'années maintenant, donc voilà, il a fait ses preuves. Mais bien sûr, voilà, il faut l'entretenir, il faut le moderniser, il faut être à la page, comme on dit, je vais dire, pour le suivi scolaire, pour le foot, pour les entraîneurs. Par rapport au foot élite, le programme du foot élite au niveau sportif, c'est d'amener les joueurs à progresser au niveau du foot. Pour ce faire, on a énormément de séances où on travaille la technique, la tactique, mais surtout la technique, tout ce qui est technique en mouvement, technique avec le ballon. Il n'y a pas chez nous, a priori, vraiment de travail physique, de développement de la force et de l'endurance. C'est plutôt dans les clubs qu'on travaille ça. Nous, on se base sur le travail du ballon. Niveau spécifique par contre, on a depuis cette année-ci un véritable travail préventif pour les blessures des joueurs. Ils ont tous eu une batterie de tests qu'on leur a fait passer dans les différents centres, qui ont été analysés par les universitaires de Liège, qui nous ont rendu un programme spécifique à chacun. Donc chaque joueur a un petit programme individuel, tant sur l'équilibre, tant sur la puissance éventuellement, pour pouvoir développer le saut de manière correcte et ne pas se blesser au ligament croisé par exemple, par un travail préventif au niveau des ischios. Le foot étude me permet d'augmenter mon niveau de jeu, d'avoir beaucoup plus d'entraînement par semaine. Avant j'en avais 3 ou 4, maintenant j'en ai 8, presque 9 même. Du coup, techniquement, à force de tout le temps répéter les mêmes mouvements et tout, on progresse. Et le fait qu'on ait des horaires arrangés à l'école, ça me permet de pouvoir bien combiner ça avec les études et de maintenir des bons points à l'école. Après le foot études, je compte aller à l'université, sûrement dans des études de kinésithérapeute ou ostéopathe. Je ne sais pas trop encore, mais je vais toujours essayer de combiner mes études et le sport et voir comment ça va aller.